Merci, Pralinette. Cette commande de cupcake est extrêmement importante. Oh, pas maintenant, Pralinette. Je dois impérativement finir cette commande avant demain. Il faut que mes clients en ronronnent de plaisir. Son jour de la Terre? Il n'y a qu'un seul jour de la Terre. Chaque jour devrait être le jour de la Terre. Ah, anniversaire! Oh, Charlotte a oublié l'anniversaire de Pralinette. Oh. Oh. Ah, qu'y a-t-il? Tu as oublié l'anniversaire de Pralinette. Pardon, j'ai oublié quoi? Est-ce qu'on parle de cet anniversaire? Celui de demain? Ah. Oh, tu te souviens, j'ai dit que cette commande devait faire ronronner de plaisir. Et quel était l'ingrédient principal de cette commande importante de cupcake? Oh. Mimi, c'est de la nourriture pour chat. Et alors? Croustillant. J'avais l'intention de t'organiser une fête surprise demain. Mais comme toutes nos meilleures amies et leurs animaux sont déjà là, je pense qu'on peut faire la fête un jour plus tôt. Joyeux anniversaire, Pralinette. Mimi, arrête de manger ça! On dirait des spaghettis. C'est pas grave, Charlotte. Tout le monde doit savoir se déplacer en prenant le métro gâteau. Heureusement, je suis là pour t'apprendre. Cela peut s'avérer assez compliqué, alors fais exactement ce que je fais et mémorise tout ce que je dis. Commençons ici à la station Rhubarbe et prenons l'Ananas Express pour... Ah! Yo! Ah! Charlotte! Citronnelle! 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 Oh, qu'est-ce que je fais? Je suis le prési perdu! Petite fille perdue, que vas-tu devenir? Petite fille perdue, tu n'as plus le cœur à rire. Hé, hey, salut, tu vas bien? Salut, je m'appelle Charlotte aux fraises. Est-ce que toi et ton rat domestique pouvaient m'aider? En fait, c'est un furet. Il s'appelle Petit Rouge et moi, je suis Petit Beignet. Nous jouons ici dans le métro gâteau pour tous nos fans. Bon, je crois qu'on peut faire une pause.
Merci beaucoup. Je suis incapable de m'orienter dans le métro gâteau. Pourtant, c'est très facile à comprendre. Essaye et tu verras. Mais je sais pas comment faire. Et si je me trompe? Regarde les choses autrement. Tu les vivras différemment. Plus détendu et moins de peur. Tu n'en verras que le meilleur. Je me sens un peu craintive et dépassée. Ça va aller. Pas sûre de moi, tout est si compliqué. Laisse-toi porter. Si mes choix ne sont pas les bons, que je gâche la chanson. Ensemble tu verras, c'est plus facile. Regarde les choses autrement. Tu les vivras différemment. Plus détendu et moins de peur. Tu n'en verras que le meilleur. Regarde les choses autrement. Tu les vivras différemment. Tu sauras faire les bons choix. Car moi je crois en toi. Je me détends, je suis apaisée. Ça c'est parfait. J'avais surtout besoin de me lancer. Maintenant c'est fait. N'aie jamais peur de rien et suis ton chemin. Et si tu doutes, rechante ces paroles en boucle. Regarde les choses autrement. Tu les vivras différemment. Plus détendu et moins de peur. Tu n'en verras que le meilleur. Les choses autrement, tu les vivras différemment. Tu sauras faire les bons choix, car moi je crois en toi. Tu sauras faire les bons choix, car moi je crois en toi. J'adore prendre le métro gâteau. Et tu as beaucoup de talent, petit beignet. La musique, c'est ma passion. Oh, moi, c'est la pâtisserie. La pâtisserie, manger est ma deuxième passion. Charlotte, citronnelle. Citronnelle. Enfin, je t'ai retrouvée. Est-ce que ce rat t'a fait du mal? C'est un furet, en fait, et je vais bien. Petit Beignet m'a aidée, c'est un musicien. Mais j'y pense. Dis-moi, et si tu venais avec nous aux ateliers fruités? Je suis sûre que tout le monde aimerait ta musique. Désolée, Charlotte, mais je ne veux pas décevoir mes fans du métro gâteau. D'accord. Laisse-moi au moins te donner un cupcake de remerciement. À plus. Salut. En y réfléchissant bien, il est peut-être temps pour Tirouge et moi d'élargir nos horizons musicaux. Dis-moi, il y a d'autres cupcakes aux ateliers fruités? Une nouvelle journée commence, Pralinette. Vite, habillons-nous. Il faut profiter de ce beau jour. Oh, désolée, j'ai oublié ta caresse du matin. Là, voilà qui est fait. C'est mon premier week-end dans la cité de la Grande Pomme. Je veux tout explorer, je veux tout voir, je veux tout connaître. Je sens que ça va être un jour magique. Ou peut-être pas. Wow, 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 tu ne devais pas explorer la ville? Eh ben, la ville est peut-être un peu trop grande pour une fraise de la campagne. Je vais plutôt rester à la maison. Non, pas question. Bien sûr, la ville peut paraître énorme et effrayante, mais tu vas faire sa connaissance. Et elle aussi doit te rencontrer. La cité de la Grande Pomme n'est pas une ville ordinaire. Et toi, tu n'es pas une fille ordinaire non plus. Alors fonce et montre à cette ville ce que tu as dans le ventre. Journée, un peu stressée et apeurée, mon cœur bat fort, car je me lance dehors. Où aller, où commencer, si grande ville, comment vas-tu? Je veux te parcourir, veux-tu bien m'aider à te découvrir? Car je t'apporte tant de douceur. J'attends d'arriver.
goûte ça. C'est très piquant, mais c'est extra. Respire, c'est bien. Ici, tu as tout pour être heureuse. Je continue de visiter, de nouer des amitiés. Tu sais, ici, la vie est sympathique. Quel bonheur de partager mes fraises fantastiques. Je vous besoin de grands endroits pour se réaliser. C'est pour ça que j'ai quitté ma jolie ville natale de Petite Baie pour gagner. Vous m'avez demandé quoi déjà? Si je pouvais passer devant toi. Oh, oui, c'est vrai. Désolée, bien sûr. D'accord. Évidemment, je suis super heureuse de réaliser mon rêve et de vivre de nouvelles aventures dans ma nouvelle maison. Chaque pâtissier en herbe sait que pour se faire découvrir, il n'y a qu'un seul et unique endroit où aller. L'immense cité de la grande pomme. La ville qui cuisine sans cesse. C'est magique, c'est magnifique. C'est très encombré. Il y a tant de gens. Excusez-moi, oh, pardon, je passe où? Pardon. Voilà ma nièce préférée. Oh, tante Praline. Tante Praline est ma tante super, super cool. Quand je lui ai dit que je voulais habiter la grande ville, elle m'a invitée à vivre avec elle. Et elle va m'aider à obtenir tout pour réussir. C'est la fraisie meilleure. Wow, wow, wow. Mamie crabe aux pommes, Kiki citron vert. Et là, j'y crois pas. C'est macaron mauve. Les plus grands noms de la pâtisserie ont tous commencé ici. Évidemment. Et le prochain grand nom sera... Charlotte aux fraises, bien sûr. Je suis trop impatiente de commencer. Nouvelle journée. Un peu stressée et apeurée. D'accord. Mon tout premier conseil, laisse tomber la chanson. On n'a pas le temps. D'accord. Chaque jour, des petites bêtes toutes fraîches arrivent en ville. Et chacune d'entre elles veut être la nouvelle cerise sur le gâteau. Tu veux être la meilleure? Sois la plus maligne, la plus rapide, la plus concentrée et vise toujours le sommet. D'accord, concentrée. Heureusement pour toi, ta tante connaît la musique et va pouvoir te filer quelques tuyaux. Par exemple, tous les débutants ne savent pas que le premier endroit en ville où doit passer un futur pâtissier est les ateliers fruités de la Grande Pomme. Les quoi? Les ateliers fruités de la Grande Pomme. C'est l'endroit le plus branché de la ville. Il y a des magasins, des restaurants. Et c'est là que vont tous les pâtissiers qui rêvent d'être découverts. Et c'est aussi là que ma nièce va faire ses débuts dans son propre food truck. Merci, tante Praline. Tout ça m'a l'air fantastique. Et je suis sûre qu'une fois installée, je serai prête à... Demain, Charlotte. Comment ça, demain? Oui, demain. Mais je viens d'arriver. J'ai à peine vu la ville et j'ai pas de food truck, tante Praline. Il faut que tu te lances, crois-moi. Et laisse-moi m'occuper du food truck. Maintenant, repose-toi. Demain est un grand jour. Je t'adore. D'accord. Je m'attendais pas à ce que mes rêves se réalisent aussi vite. Mais il faut se lancer, non? Oui, c'est bon, je suis prête là. J'ai trop hâte de voir mon food truck. Quoi? Tada! Mon vieux camion, le rêve de Praline.
J'ai fini par comprendre que les food trucks, c'était pas ma tasse de chocolat. Mais tant mieux, parce que je peux te le donner pour que tu réalises ton rêve. Oh. Wow. Allez, tout le monde à bord. Prochain arrêt, les ateliers fruités. Oh, d'accord, il y a quelques petites réparations à faire, mais hey, il a du caractère. Bonne chance! Quoi, tu t'en vas déjà? Le maire, Monsieur Molas, inaugure une usine et sans moi, il n'arrivera même pas à trouver la scène. Mais tu vas assurer! Je suis fière de toi. Texte-moi plus tard. Ciao! T'inquiète pas, Pralinette, on va assurer. Oh. Oh. Ouais, bon, d'accord, c'est pas top. Génoise est la critique gastronomique de la galette de la grande pomme. Une critique de sa part peut faire ou défaire une carrière de pâtissier. Je vais devoir sortir le grand jeu et assurer à fond. Vous voyez ça? Des cake pop. Ok, ouais. Pralinette, nous sommes aussi prêtes que nos pâtisseries. Génoise la crème n'a qu'à bien se tenir. Je me demande à quoi elle ressemble. Salut Charlotte! Tu as hâte de rencontrer Génoise la crème? Ça, tu peux le dire. Comme tu es nouvelle, on voulait juste s'assurer que tu étais prête. Ah bon? Aïe, je pensais que vous seriez ravis tous les deux de me voir échouer et de devoir trimballer mon food truck jusqu'à Petite Baie avec mes sfogliatelles entre les jambes. C'est ce que j'ai fait, des sfogliatelles. Jolie, non? Peu importe, nous ne sommes pas toujours d'accord, mais plus nous obtiendrons de bonnes critiques de Génoise, et mieux ça vaudra pour tous les artisans des ateliers fruités. Alors bonne chance! Nous sommes d'accord. Bon, je vais aller voir si par hasard, Génoise n'est pas déjà arrivée. Oh, ses cheveux courts couleur crème au beurre, sa chemise à fleurs odieusement colorée. Ce n'est pas ce qu'elle... Mais oui! Et son hideux chapeau à large bord sont reconnaissables entre tous. Waouh, ce n'est pas du tout comme ça que j'imaginais Génoise la crème. Mais je suppose qu'on ne peut pas juger quelqu'un sur ses critiques capables de mettre fin à une carrière. Merci! De rien. Bonjour, je suis Charlotte aux fraises. Bonjour, mon sucre d'orge. Je suis... Je sais bien qui vous êtes. Permettez-moi de vous faire déguster mes petites douceurs. Un cake pop? Je peux pas croire qu'elle soit tombée dans le panneau. Pendant que Charlotte courtise cette grand-mère sans intérêt, je pourrais avoir la vraie Génoise la crème pour moi toute seule. Oh, la voilà. Je ressemble, mon sucre d'orge. Tada! Oh, si mignonne qu'on en mangerait! Sérieusement? Maintenant! Oh! Je vais juste vous ôter ce... Merci, mon sucre d'orge. Je me suis régalée. Je n'avais encore jamais passé une journée aussi délicieuse. Toi au moins, tu sais préparer un bon gâteau aux fraises, ma petite Charlotte. Oh, vous me faites rougir. N'oubliez pas de partager ces gâteaux avec vos petits-enfants. Ouh, dure journée. C'est un euphémisme. Je parie qu'un petit cake pop vous remontera le moral. Pour vous, cadeau de la maison. Oh, nom d'un beignet! C'est elle, Génoise la crème? J'aurais dû m'en douter. À la ravissante fraise roulante, le cake pop est roi. Ou devrais-je dire reine? La charmante cuisinière de la ravissante fraise roulante ne fait pas que préparer des desserts divins. Elle traite également tous ses invités, des critiques gastronomiques aux grands-mères de passage en ville, comme des VIP. Une pause dessert incontournable. Voilà une journée de travail bien employée, Charlotte. C'est rien, c'est rien. Génoise la crème arrive! Génoise est la crème.
critique gastronomique de la galette de la grande pomme. Une critique de sa part peut faire ou défaire une carrière de pâtissier. Je vais devoir sortir le grand jeu et assurer à fond. Vous voyez ça? Des cake pop. Ok, ouais. Pralinette, nous sommes aussi prêtes que nos pâtisseries. Génoise la crème n'a qu'à bien se tenir. Je me demande à quoi elle ressemble. Salut Charlotte! Tu as hâte de rencontrer Génoise la crème? Ça tu peux le dire. Comme tu es nouvelle, on voulait juste s'assurer que tu étais prête. Ah bon? Je pensais que vous seriez ravis tous les deux de me voir échouer et de devoir trimballer mon food truck jusqu'à Petite Baie avec mes sfogliatelles entre les jambes. C'est ce que j'ai fait, des sfogliatelles. Jolie, non? Peu importe, nous ne sommes pas toujours d'accord, mais plus nous obtiendrons de bonnes critiques de Génoise, et mieux ça vaudra pour tous les artisans des ateliers fruités. Alors bonne chance! Nous sommes d'accord. Bon, je vais aller voir si par hasard, Génoise n'est pas déjà arrivée. Ses cheveux courts couleur crème au beurre, sa chemise à fleurs odieusement colorée. Ce n'est pas ce qu'elle... Mais oui! Et son hideux chapeau à large bord sont reconnaissables entre tous. Waouh, ce n'est pas du tout comme ça que j'imaginais Génoise la crème. Mais je suppose qu'on ne peut pas juger quelqu'un sur ses critiques capables de mettre fin à une carrière. Merci! De rien. Bonjour, je suis Charlotte aux fraises. Bonjour, mon sucre d'orge. Je suis... Je sais bien qui vous êtes. Permettez-moi de vous faire déguster mes petites douceurs. Un cake pop? Je peux pas croire qu'elle soit tombée dans le panneau. Pendant que Charlotte courtise cette grand-mère sans intérêt, je pourrais avoir la vraie Génoise la crème pour moi toute seule. Oh, la voilà. Je ressemble à mon sucre d'orge. Ta-da! Oh, si mignonne qu'on en mangerait! Sérieusement? Maintenant! Je vais juste vous ôter ce... Merci, mon sucre d'orge. Je me suis régalée. Je n'avais encore jamais passé une journée aussi délicieuse. Toi ou moi, tu sais préparer un bon gâteau aux fraises, ma petite Charlotte. Oh, vous me faites rougir. N'oubliez pas de partager ces gâteaux avec vos petits-enfants. Dure journée. C'est un euphémisme. Je parie qu'un petit cake pop vous remontera le moral. Pour vous, cadeau de la maison. Oh, nom d'un beignet! C'est elle, Génoise la crème? J'aurais dû m'en douter. À la ravissante fraise roulante, le cake pop est roi. Ou devrais-je dire reine? La charmante cuisinière de la ravissante fraise roulante ne fait pas que préparer des desserts divins. Elle traite également tous ses invités, des critiques gastronomiques aux grands-mères de passage en ville, comme des VIP. Une pause dessert incontournable. Voilà une journée de travail bien employée, Charlotte. C'est rien, c'est rien.